Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto dimanche 7 janvier 2024. Selon BlackRock, ETF Bitcoin serait accepté mercredi, on va aller voir ça tout de suite. Au niveau graphique, vous allez voir, on va passer très rapidement en weekly, on va utiliser un seul indicateur pour vous montrer la puissance de cet indicateur, que vous soyez débutant, professionnel, confirmé, ce que vous voulez. S'il n'y a qu'un seul indicateur à utiliser en analyse graphique, c'est le RSI en weekly. Vous allez voir la puissance de cet indicateur. Ça faisait des semaines que je vous disais, attention, on est en surchauffe énormément de RSI à 70, voire à 80. Ça va se retourner. Patatras, vous allez voir la logique de cet indicateur qui finit toujours par payer. On va aller voir ça dans la partie analyse graphique. Alors bien évidemment, on commence vraiment à être usé par rapport à cet ETF Bitcoin. Quelles sont les, les dernières étapes, les derniers remaniements C'est que finalement, s'ils le souhaitent, les asset managers, donc les différents demandeurs pour l'ETF le, Bitcoin, ont jusqu'à demain matin, demain matin, donc 8h East, donc c'est heure de heure des US, et grosso modo ils ont jusqu'à demain matin pour envoyer une dernière mouture de leur, euh, de leur demande d'ETF, en particulier j'ai lu que BlackRock, ils n'avaient pas, il pas détaillé la partie fees donc les frais de gestion qu'ils allaient prendre sur les ETF Bitcoin, donc BlackRock devra envoyer cette mise à jour ce sont des derniers détails, on est vraiment sur des détails hein, quand on parle des fils et ce genre de choses, c'est des détails, mais ça doit être finalisé et on est toujours dans cette dynamique, aussi bien la SEC que les différentes banques sont à, en ce moment à 100% en train de finaliser, s'ils le souhaitent, les demandes d'ETF, elles seront envoyées demain matin et vous allez voir la grosse nouvelle pour moi qui est l'exclusivité, c'est que BlackRock s'attend maintenant à une approbation de l'ETF Bitcoin dès mercredi. Ils l'ont dit à Fox Business. Et donc, c'est intéressant, c'est qu'ils, pour eux, ils ont mis tous les éléments de leur côté. Si BlackRock se permet de dire ça, honnêtement, je vois pas une décision inverse se produire. On va prendre ça quand même avec des pincettes, mais normalement, normalement, on devrait avoir l'ETF Bitcoin mercredi. Ce qu'on apprenait aussi dans cet article, c'est qu'ils ont jusqu'au 8. L'approbation, pour moi, devrait avoir lieu le mercredi ou le mardi, pourquoi pas, mais au pire le mercredi. Et imaginez, le trading pourrait commencer dès le 11. Donc dès le jeudi, il serait commercialisé les ETF Bitcoin. On attend ça bien évidemment avec impatience. Parce que grosso modo, on va aller voir sur la semaine, le marché a, a plutôt digéré. Pour moi, c'est une dynamique plutôt positive, parce que si on avait eu une, une, la semaine qui précède l'acceptation, une explosion des marchés. Les probabilités d'avoir un sell the news pour moi auraient été beaucoup plus élevées. Maintenant que le marché a plutôt digéré, on va aller voir ça. Je pense qu'on est plutôt sur une dynamique positive par rapport à l'ETF Bitcoin. Pour moi, au niveau des probabilités, ça limite les probabilités qu'on ait un sell the news. Tout simplement, vous allez voir. Donc ça, c'est un peu particulier. C'est Grayscale a vendu du MATIC. Il a ajouté AVAX et XRP dans ses fonds de, de, de balance. Donc euh, petite euh, petite mauvaise nouvelle pour Matic pour moi ma position par rapport à Matic ça change absolument rien. Il ils retirent pas Matic de leur, euh, de leur fonds hein. il y a du Matic dans les fonds Grescal, mais ils le vendent dans un fonds de rebalance donc euh, voilà un fond une espèce de fonds comptable euh, qui leur permet d'équilibrer des portefeuilles et grosso modo c'est quand même une mauvaise nouvelle par rapport à Matic, à titre personnel je pense que potentiellement ça peut donner des opportunités. Si Matic continue un peu à céder, je pense qu'il y aura même des opportunités d'achat par rapport à Matic. Et on va aller voir directement sur le marché parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, il faut être focus. Si on fait un bilan sur la semaine, on voit qu'il y a GMT qui sort de nulle part. On a AKT qui fait un carton 31%. On a Arbitrum, Lido, Osmo, Tia. Osmo dans l'écosystème Cosmos, ça c'est intéressant aussi, Osmosis. Mais, mise à part ça, vous voyez, sur la semaine, il y a eu des énormes prises de bénéfices. On a beaucoup, beaucoup de moins 15, moins 20, voire des moins 25. Donc, c'est vraiment une semaine qui fait très, très mal. Et je vous dis, cette semaine très rouge, comme ça, qui précède l'acceptation la, d'un NTF Bitcoin, c'est peut-être positif. C'est peut-être positif. En tous les cas, c'est mon point de vue par rapport à ça. Et on voit que sur la semaine, le Bitcoin, il a pris 4,2. L'Ethereum, il a pris moins 1,9. C'est assez choquant de voir que le Bitcoin il s'en sort quand même, euh, bah, il est à 44 000 en fait, mine de rien, 1240, 2241 sur, euh, sur l'Ethereum. Aujourd'hui, on voit qu'on est dimanche parce que les volumes sont très très faibles ces derniers jours, dernière semaine, on avait des 30, 40, 50 milliards même. Donc très très faible digestion, il n'y a pas grand monde sur les marchés. Et on voit vraiment gros carton sur la semaine, énorme carton énorme énorme carton on voit la différence entre Bitcoin et le reste du monde en tout cas c'est que voilà alors est-ce que ça vend pour acheter du Bitcoin c'est comme ça qu'on peut l'interpréter euh, beaucoup de gens ont peut-être craqué vendu des altcoins pour les mettre sur du Bitcoin par rapport à l'ETL Bitcoin c'est ce qu'on peut voir au niveau des vases communicants +4 tout est dans le rouge vif et on sait que Bitcoin, c'est 50% à peu près de l'ensemble. Donc euh, pour moi, c'est à peu près ce qu'on peut traduire sur la semaine. Ça a été un espèce de fly to quality où les gens ont vendu des altcoins pour se mettre sur le Bitcoin. Euh, là, là, vraiment ces derniers jours. Et la semaine est très, 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 très rouge. Ce que je vous propose, c'est de très rapidement passer une cinquantaine de cryptos que je suis et grosso modo, regardez la puissance du RSI. Donc au niveau du Bitcoin, rien, rien à dire. On est dans une grosse zone de résistance. On est sur le bas de, de la résistance. Est-ce qu'on va aller exploser le haut à 48, voire plus haut Exploser ça. Est-ce qu'il va y avoir un sell the news Impossible à dire. En tout cas, par rapport au RSI, on était largement surachat. On était même monté à 83. Et là, pour moi, il nous fait une espèce d'épaule. Tête, peut-être épaule pour descendre un peu plus bas. On aura bien peut-être un peu de digestion avant de repartir quand on regarde le RSI. Mais encore une fois, le RSI nous a alerté depuis des semaines et des semaines. Ethereum, bah, pile, il a touché 70 et on dirait qu'il nous fait une épaule tête-épaule. Mais en gros, il a réagi complètement à 70 et il se redirige vers 60. Quand vous regardez Taos, ça avait complètement explosé le RSI. Bah là, ça y est, on commence à descendre. On est pratiquement à 60. Ça commence à être intéressant. XRP, il avait touché 70 il y a longtemps, c'était ici le 24 juillet, depuis il n'est même pas allé tester les 70. Malheureusement ce que je vois ici c'est épaule, tête, épaule sur le RSI. Après ça peut être une dernière chute avant de repartir. On n'est pas loin du niveau qui est pour moi un gros niveau de bascule au niveau des 60 centimes sur XRP. CKB, un espèce de double top sur les 60, mais on reste sur dynamique positive au-dessus des 50. Je pense qu'il peut y avoir du, du joli rebond parce qu'on est dans une phase quand même de ça y est, de, de rebond quand même globalement. Et on devrait rester au-dessus des 50 pour moi sur CKB. Atom, bah, ça avait presque touché les 70, ça rechute. Matic, ça a même pas touché les 70, on dirait que c'est en train de faire un espèce de double, triple top. Après, c'est peut-être un bull flag. Faut faire attention aux. Aux interprétations mais grosso modo on n'est pas du tout en surachat sur Matic. Polkadot bah on a bien explosé mais on allait casser les 70 et regardez boum ça chute Ada pareil on allait exploser même les 80 bah on est en train de chuter sous les 70 Chain Link pareil explosion à 80 bah on, on redescend STX, c'est vraiment la, la grosse anomalie au niveau du RSI, mais ça fait quand même plaisir, c'est que c'est une ligne qui résiste de folie quand même, STX, ça n'arrête pas de se replier, il y a une dynamique dingo, à un moment donné, ça devra se replier un peu comme ici, mais euh, vraiment, il ne veut pas se replier, et surtout, on commence à être sur des RSI complètement dingo, ouais, on a sur des 87 de RSI, c'est trop, ça devient super risqué sur euh, STX. GRT double top RSI 70, ça chute. Océane, pile 70, ça chute. VET au-dessus des 70, mais on est en train de chuter. Ancre, ça n'a même pas touché 70 et ça chute. DCR sur les 60. KDA, ça avait super bien marché. Malheureusement, ça avait monté trop vite. RSI et ça chute. FTM, c'est d'une précision folle, ça touche 70 et ça chute. QNT quand 70 et sa chute. Jamie, ça va être un bis repetita, mais c'est pour vous montrer la puissance de cet indicateur. Je trouve qu'en analyse graphique, même des fois je regarde certains, certains, certains youtubeurs, je trouve que ça envoie des termes techniques et autres, mais moi je trouve que c'est du vent, de passer 20 minutes sur, euh, sur le Bitcoin. En 10 secondes, vous voyez des indicateurs très très rapidement, surtout si vous êtes investisseur, vous n'êtes pas trader. RSI30 vous achetez, RSI70 vous vendez grosso modo, je pense que vous gagnez très très bien votre vie. Quantum, pareil, ça a presque touché les 70, ça chute. Theta, 70. IMX, ça avait vraiment surperformé, malheureusement, c'est le contre-coup. Celo, ça venait à peine de repartir, ça a démarré une, mais c'est allé trop vite en 70, ça rechute. Avax, on en a beaucoup parlé, c'était même du 80, bah, ça paye le contre-coup et c'est complètement normal. Fetch, pareil, c'est au-dessus et je pense qu'il y a encore du mou à la baisse. App, c'est une catastrophe, c'était en train de repartir à la hausse de 1 vers 1,50. Là, ça rechute. Et on verra ce que ça va faire. Je pense que si ça revient sur les 30, on en reparlera. Je rajouterai une petite ligne sur app. RNDR, pareil. C'était magnifique, mais c'était trop haut au niveau du RSI. XRD, je vous en ai parlé récemment. C'est vraiment un dossier pas cher. BNB, ça a super bien rebondi. Vous connaissez la suite de ce qui devrait se passer sur BNB. Flux, bah ça a fait 70%, ça chute. BAT, c'est un dossier, j'ai hésité à faire un dossier récemment, parce que c'est un dossier que j'aime beaucoup, absolument personne n'en parle de dossier là. Je trouve que c'est un dossier vraiment qui latéralise depuis longtemps, qui n'a absolument rien fait en termes de performance. Je pense qu'il est dans une config sympa. NIR, c'était beau, mais au-delà des 70%. ALGO, pareil, 70%, on craque. GLMR, ça commençait à peine, je commençais à avoir des belles perfs, bah, c'est allé trop vite, 70%, ça craque. Horizon, même pas 70, et Horizon, c'est un peu critique, même ce qu'il est en train de se passer, c'est en train de descendre plus bas, sur ses plus bas annuels. Klein, ça repartait un peu, bah, 70. Chili's bah, eux, eux, ils attendent même pas les 70 pour rechuter. Phil, ça reprenait encore, il y a très récemment, mais 70, et ça rechute. Flow, pareil. H-bar ça a tout explosé, mais regardez le RSI. Rose, là, ça a été tellement beau, mais trop trop vite. CSPR il y a encore du mou et voilà. Donc vous voyez en quelques secondes, là on a pris même pas 10 minutes et on a fait une analyse flash d'une soixantaine de cryptos qui nous donne des informations très très rapides autour du RSI. Moi je pense que c'est l'indicateur ultime, j'utilise RSI moyenne mobile moi à titre personnel, les supports et les résistances et honnêtement, je pense que même quelqu'un qui débute très rapidement il peut utiliser ma méthodologie et c'est une méthodologie vous voyez très efficace parce qu'on prend du recul. Et on voit apparaître tout de suite les excès à la hausse ou à la baisse, exactement de la même manière, souvenez-vous, hein, quand on était dans ces phases-là au mois de juin et tout ça, quand j'ai lancé le portefeuille d'IKA. Je vous disais, le RSI, il est à 30, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus bas, mais le RSI, il est à 30, en général, ça veut dire acheter. Le RSI il se trompe rarement hein, ici, il disait acheter du Bitcoin comme des ports. Ceux qui l'ont fait juste en suivant le RSI comme indicateur s'en sont bien sortis. Donc ce sera tout pour moi. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à liker, à, à vous abonner si vous appréciez ce contenu. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.